It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Aujourd'hui les amis, nous sommes partis d'une nouvelle vidéo sur Fortnite. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Comme vous le savez, la semaine prochaine, il y a Pâques. Et comme d'habitude, Fortnite vont sortir tous les skins lapins et œufs. Sur la map, il y aura des œufs qui sortiront comme ça. Il y aura du coup des défis où il faudra récupérer des œufs. Ça fera gagner de l'XP. Et aussi, il y aura du coup le lance-œuf qui risque de faire son retour pendant un petit moment. Donc du coup, revenons un peu sur l'histoire de Fortnite. Et comme vous le savez, si vous suivez mes vidéos, les 7 vont totalement exploser l'IO. À la fin, pour l'IO, il ne restera plus que État-major, la forteresse et Loot Lake. Alors, je pense fortement que l'événement se passera à Loot Lake, car si vous vous rappelez, au chapitre 1, Loot Lake, c'était là où se passaient tous les événements. Tous se sont passés à Loot Lake, sauf le concert de Marshmello, qui lui s'est passé à Pleasant Park, mais c'est pas très loin de Loot Lake quand même. Il faut pas oublier les événements mythiques, comme le robot et le monstre, le cube et tout ça à Loot Lake. N'oubliez pas. Alors les amis, il y a le Chopa qui va faire son retour sur Fortnite, en style des 7. Mais s'il fait son retour, excusez-moi, j'aimerais bien que le pilote puisse tirer. Car c'est pas fou tout ça. Hein. Car t'es le pilote avec le bus, ben, désolé mais tu tires pas. T'es le pilote avec le tank, tu peux tirer, mais bien sûr, c'est à la base du côté de l'IO. Mais avec le Chopa, il faudrait qu'il y ait une mitraillette. Sinon, c'est un Chopa basique. Et c'est totalement pas cool du tout. Je trouve ça pas cool parce que il recopie un peu la saison du chapitre 2, saison 2. C'est un peu dommage. Nous avons eu des nouveautés justement dans la dernière mise à jour. En créatif, nous avons eu possibilité d'avoir État-major, la forteresse et les dirigeables. Oui. Ils sont en créatif. Et aussi en créatif, nous avons eu le déplaceur d'accessoires. Cet objet, enfin cet appareil, nous sert à déplacer des accessoires. On peut créer des ascenseurs qui marchent pour de vrai. Nous pouvons faire avancer ou reculer des foreuses de l'IO. C'est super bien, car le créatif devient de plus en plus réaliste. À l'heure où je tourne cette vidéo, demain, nous avons de nouvelles quêtes de rébellion qui vont arriver. C'est très bien parce que là, il faut faire monter les niveaux avant la fin de la saison. D'ailleurs, il y aura aussi bientôt une vidéo sur comment monter le plus vite possible de niveau sur cette nouvelle saison. Bon, ben, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Bye tout le monde, c'était Ratunix. C'est merde.